Good morning, allez Yiden, les ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani David Ben Fortuna Mazal Fritna et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Ketuvot Perektet Mishnah Alef. Akotev le Ishto Dinu Dvarim Enli Ben Yirsaich Areze Ochel Perot Bechayea Veim Meta Yorosha Im Ken Lama Ketav La Dinu Dvarim Enli Ben Yirsaich Shim Machra Venatna Kayam. Et je m'arrête là pour le moment parce que la Mishnah elle est longue, en fait elle est séparée en trois parties, avec chaque fois le cas qui va devenir un petit peu plus, qui va englober plus de choses, comme ce qu'on va voir tout de suite. On parle d'abord, le sujet général c'est à côté de l'Ishto, celui qui écrit à sa femme, Din Udvarim, c'est une manière de dire je déclare de la sorte, il lui a écrit en fait une déclaration par écrit, que Eni Benir Sa'ir. C'est-à-dire que Enli Din Venli Dvarim, je veux me défaire de quelque chose en fait. Que Enli Benir Sa'ir, je n'aurai de droit, aucun droit de tes biens. Alors dans ce cas-là, la Mishnah me dit Areze Ochel Perot Bechayea. Il pourra quand même manger les fruits des biens de sa femme de son vivant. Ve'im Meta, et si elle décède sa femme, eh bien Yorcha, il l'héritera. Alors dans ce cas-là, Imken Lama Katavla Dinu Dvarim Enli Benir Sa'ir, dans ce cas-là, à quoi ça a aidé le fait que ce soit déchargé, dégagé de des droits sur de sa femme, ça a aidé que Sheim Machra Venatna Kayam, ça a aidé que si la femme, elle a vendu ou elle a donné ses biens, eh bien le droit qu'elle aura cédé sera effectif, il marchera. J'explique un petit peu mieux de quoi on parle. Tout d'abord, lorsqu'un homme se marie avec une femme, eh bien, il reçoit un droit sur les biens de la femme. D'accord? Les droits, pour le moment, ça reste, une fois qu'on s'est marié, les biens restent la propriété de la femme, c'est vrai, les nirsé milog, ça s'appelait. Mais le mari, il a plusieurs droits dessus. Il a le droit de consommer les fruits. Et en plus de ça, si la femme décède, il hérite de sa femme, il récupère ses biens. Et même mieux que ça, la femme, pour le moment, n'a pas le droit de le vendre à quiconque, ce bien. Parce que dès qu'elle s'est mariée avec moi, il devient méchoubad à moi, il devient engagé que maintenant il est là pour mon utilisation, elle n'a pas le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Il y a trois choses, retenez les biens, parce qu'on va avoir besoin, au fur et à mesure de la Mishnah qu'on va évoluer, il va falloir préciser ces choses-là. Trois points, je répète. D'une part, elle ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre. D'autre part, les fruits qu'il rapporte, c'est pour moi. Le capital, il reste à elle, mais les dividendes, les fruits, c'est pour moi. Et en plus de ça, donc elle ne peut pas les vendre. Les dividendes, les fruits, c'est pour moi. Et en plus, on a dit que si elle décède, eh bien, le mari en hérite. D'accord? C'est trois choses. Maintenant, on parle dans notre Mishnah d'un mari que lorsqu'il se marie avec sa femme, il déclare qu'il veut il veut pas engager ses biens. Soit parce que, je ne sais pas moi, elle le soupçonnait de se marier pour son argent ou quoi que ce soit. Lui, il a écrit « Din Udvarim ». « Din Udvarim », ça veut dire que je n'aurai ni din ni dvarim. Je ne pourrai rien réclamer. Je me défais de tout droit dessus. D'accord? Ça veut dire « Din Udvarim ».« Enli benir sa'ir ». Je n'ai pas de droit sur tes biens. Alors, on va voir. Au fur et à mesure, selon sa déclaration, il va se dégager de un point, deux points ou les trois points en même temps. On commence d'abord avec le premier cas. S'il dit « je me dégage de tes biens, que tu restes toi la propriétaire de tes biens », il a écrit une phrase comme ça, ça signifie quoi? On va toujours, ça c'est une règle qu'il faut savoir dans les shtarot, on va toujours selon le minimum qu'inclut les mots que j'ai utilisés. Si je vous écris avec un contrat, une phrase, comment dire, équivoque, on peut l'expliquer comme ça, on peut l'expliquer comme ça, on prendra toujours le strict minimum que ça inclut, c'est ça, ça a été ça notre intention. Donc là, c'est vrai que je me suis dégagé, mais je n'ai pas dit que je me dégage totalement, j'ai dit je me dégage de tes biens. Qu'est-ce que ça veut dire je me dégage de tes biens? Alors dans ce cas-là, on va voir, parmi les trois choses, celle qui est la moins contraignante, si on peut dire. La moins contraignante, c'est que si toutefois elle va les vendre, ce sera elle. Mais pour le moment, tant qu'ils sont dans sa propriété, c'est moi qui en tire profit, et si elle décède, eh bien le mari en héritera de sa femme. D'accord? Ça, c'est lorsqu'il parle en disant « je n'ai aucun droit de tes biens. Je n'ai aucun droit sur tes biens. Eni benir sa'ir. Je ne mets pas mes droits sur tes biens. »
C'est ce qu'il dit, je me suis dégagé de tes biens. Maintenant, nouvelle situation, j'avance dans la Mishnah, puis après on refera le point. Katavla, maintenant, deuxième situation. Katavla, din nevarim, en ebenir saïr, ou beperoteen. Areze en ochel perot bechayer. Veim meta, yosha. Rabbi Yehuda Omer, leolam ochel pere perot, achirtov la din nevarim, en ebenir saïr, ou beperoteen, ou beperoteen, ad olam. Et on s'arrête là pour le moment, c'est le deuxième cas. C'est cette fois-ci, je n'ai pas dit que je ne rentrerai pas en possession de tes biens. Je ne lui ai pas dit une phrase de la sorte. J'ai dit une phrase, je n'aurai pas de droit sur tes biens et ni même sur les fruits. Soit tes terrains, tu as des maisons. Bah, je me suis marié avec une femme qui a des maisons en location. Elle touche des. Et je lui dis, bah, dans ce cas-là, je me défais de tes biens et de tes locations. Ça signifie que, d'une part, elle peut les vendre à qui elle veut. D'autre part, maintenant, l'argent qu'elle va gagner des locations, ce sera pour elle, ce ne sera pas pour moi, parce que je me suis défait de ça. Malgré tout, on reste avec le troisième point, qu'en cas de décès, c'est le mari qui l'hérite. Ça restera pour le moment en vigueur, parce qu'il ne s'est pas dégagé de ça pour le moment. Ça, ce sera la troisième partie de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah, il y a une petite marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est que il y a les perotes, mais il y a les péré-pérotes, et les péré-péré-péré-pérotes, et ainsi de suite. Soit, elle a un potentiel de 1 million de biens en location, qui rapporte tous les mois une location de 5 000. D'accord? Imaginez maintenant, donc ça pour le moment, le bien, le capital, c'est le million. Les biens qu'elle rapporte, c'est 5 000, allez, on va arrondir ça à l'année, ça fait 60 000 à l'année. Maintenant, elle touche donc 60 000 à l'année, ça s'appelle les pérotes. Là, je me suis dégagé des pérotes, j'ai pas le droit de prendre les. De toucher à ses pérotes, c'est pour elle. Maintenant, malgré tout, si jamais elle va utiliser cet argent pour aller acheter ensuite les investir quelque part, d'autres, elle prend les 60 000, elle cumule ça sur 3 ans, ça va lui faire maintenant 180 000, c'est une somme assez conséquente, elle va aller les placer en bourse. Et grâce à ça, on va toucher tous les mois un petit 2 000. Ça s'appelle des péré-pérotes, les fruits des fruits. Les fruits, je me suis dégagé des biens. Mais je n'ai pas précisé que je me dégage des fruits. Donc si avec les fruits, donc on les a réinvestis pour qu'eux-mêmes rapportent des fruits de nouveau, ça s'appelle les péré-pérotes. Cette fois-ci, selon Rabbi Yehuda, ils me reviennent de droit pour le moment. Je ne me suis pas dégagé d'eux. Je me suis dégagé du capital, des fruits, mais pas des fruits. Jusqu'à qu'on précise que je me dégage. Je retire mes droits de tout ton capital et de tes fruits et des fruits. Ad olam. Je sais pas comment dire en français, quoi, et ainsi de suite, d'accord? C'est clair? Ça, c'est ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda. Maintenant, on va passer dans la troisième situation de la Mishnah, qui va être que... Donc, je sais pas si j'ai tout traduit, je reprends dans les mots d'abord, une seconde. Katavla, il a dit, Dinu Dvarim, je me dégage de... Eni Benir Seir, je me dégage de tes biens, ou Beperoten, de tes fruits, Arezen Ochel Perot Bechaya, il pourra plus manger des fruits, et selon Tana, mais malgré tout, Veimeta Yorja. Mais si jamais elle décède, il l'héritera, parce que ça, il ne s'est pas dégagé. Il s'est dégagé de l'exploitation des biens. Mais il ne s'est pas dégagé du fait que de cette halakha, que le mari hérite de sa femme. Rabbi Yehuda, mais selon Rabbi Yehuda, alors, Leolam, Ochel, Pere, Perot, il continuera à manger les fruits des fruits, d'accord? Les dividendes que les dividendes rapporteront, en fait. Ad Shirtovla, jusqu'à qu'il lui écrive, qu'il se dégage avec une formule beaucoup plus complexe, qui dit Dino Dvarim, je me dégage de tout droit et de toute réclamation. Enni Benir Sair, je n'aurai de droit de tes biens, ni de tes ou beperoten, et ni des fruits, ou bepere peroten, et même des fruits, adolam, à jamais. Ça veut dire ainsi de suite, même des fruits, j'aurai aucun droit dessus. D'accord? Troisième situation maintenant. C'est qu'il va se dégager complètement. La femme, elle était archi-milliardaire, et elle le soupçonnait de vouloir se marier avec lui pour l'argent, et il a dû l'écrire une formule qui prendra, il n'aura aucun droit sur elle, même quand elle mourra. Alors là, comment il doit lui écrire? Katavla, il lui écrit, « Din udvarim, je me dégage de tout droit et réclamation. Enni benir sair, je n'aurai aucun droit sur tes biens. Ubeperoteen, et ni sur les fruits et les fruits des fruits. Bechayaïch obemotir, de ton vivant et même après de sa mort.
Et bien dans tout, là, s'il a écrit de la sorte, « Eno ochel perot bechayea » il ne pourra consommer de fruits, il ne pourra pas consommer de fruits de son vivant, de sa femme, mais en plus, « Veimeta » et en plus, si elle meurt, « Eno yorcha » il ne pourra plus l'hériter, parce qu'il s'est dégagé de ses biens. Il s'est dégagé de ses biens. Maintenant, petite précision, c'est qu'il s'est dégagé de ses biens avant de se marier. C'est-à-dire qu'en fait, en théorie, je le dis tout de suite, allez, c'est pas grave, il y a une petite phrase, mais c'est pas grave, je le fais tout de suite, c'est que les choses sur lesquelles j'ai déjà des droits, je peux pas aujourd'hui, ma femme qui est ma femme, je peux pas me dire que je me dégage de ses biens. Il faut nécessairement que je fasse un acte d'acquisition, parce que pour le moment, quand je me suis marié, eh bien ses biens, j'ai déjà eu un droit dessus. Or, lorsque tu as quelque chose qui t'appartient, tu peux pas dire je me retire. On ne se retire pas, on cède. Il faut que tu redonnes. Donc il faut faire un acte d'acquisition. Là, du coup, quand on déclare que je n'aurai aucun droit dessus, on parle qu'on est avant le mariage, et je déclare que lorsque je me marierai avec toi, les choses qui devraient me revenir, j'y renonce, et comme ça, ils resteront dans ta propriété. D'accord? C'est une petite parenthèse. Voilà pour le moment la troisième évolution de la Mishnah, c'est que donc je me suis dégagé totalement de ses biens et de ses dividendes, et des dividendes, jusqu'à jamais, Dieu de son vivant et après son décès. Comme ça, là, ça y est, c'est fini. C'est plus, j'ai aucun droit dessus. Sur ça, il y a Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne que Im Meta Irashena. Si elle décède, il l'héritera quand même. Il héritera de sa femme quand même. Pour quelle raison? Mipnei Shehitna Alma Shekatuv Batora. Parce qu'il a fait une. Il a posé une condition sur quelque chose qui est explicite dans la Torah. Et tout celui qui pose une condition sur ce qui est explicite dans la Torah, sa condition elle est annulée. Là on touche à un problème délicat, vaste, qui fait l'objet de plein de discussions. Et on va expliquer un petit peu mieux. C'est de manière générale, la Torah elle m'impose comment me conduire, non seulement Ben Adam la Makom, comment accomplir les mitzvot, comment, mais même aussi Ben Adam la Chavero, et même sur les droits. D'accord ? Sur plein de droits. J'engage un employé, j'ai le devoir de lui payer sa paye avant la fin de la journée. Beyomo titen sraro, velo talin, bal talin, je peux enseigner dans la Torah, et que il y a encore toutes sortes de choses. Je me marie avec une femme, je suis engagé à la nourrir, je me suis engagé à la vêtir, je me suis engagé à entretenir des rapports avec elle. D'accord? Il y a toutes sortes de choses quand on s'engage, et c'est tout ça, c'est des droits qui sont scellés par la Torah. Je prête de l'argent, fin de la Shvit, ça annule la dette. La Torah, elle vient, même dans le business qu'on fait avec les gens, la Torah, elle vient, elle nous pose des conditions, elle nous dit non, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Et une question de base, est-ce qu'un homme a la possibilité, est-ce qu'on a la possibilité de poser comme condition qu'on ne veut pas que la loi s'applique sur nous? Je veux, alors c'est vaste, ça touche à tous les domaines d'argent imposés par la Torah. Est-ce que je peux poser comme condition que je me marie avec une femme? Mais je ne veux pas ni la nourrir, ni la vêtir, ni même entretenir des rapports, c'est ce que je veux. Oui, je veux me marier, je veux engager un employé, et je pose comme condition que je ne devrais pas lui payer à la fin de la journée. Je veux prêter de l'argent, mais je veux que la Shvit ne va pas annuler la Shvit. Je vends quelque chose en lui disant, écoute, normalement, lorsque je vends, je n'ai pas le droit de rouler quelqu'un. Vous savez, il y a l'histoire de Ona'a. Et moi, je pense qu'en disant, écoute, moi, je vends, mais si je t'ai roulé, tant pis, tu l'encaisses. C'est une condition entre nous que je pose. Est-ce que dans toutes ces situations, est-ce que Matne al-Mashekaduv Batora ou Enen Adam Matne al-Mashekaduv Batora? C'est une grande discussion. Et chaque cas que je vous ai expliqué, que je vous ai explicité, il a des halakhot particulières, de quelle manière, est-ce que oui, est-ce que non. C'est vaste. Et donc là, on touche de nouveau à ce problème-là. Un homme hérite sa femme. Ça signifie que pour le moment, ce n'est pas un droit que j'ai sur les biens de ma femme. C'est une réalité innée que lorsqu'une femme décède, son mari l'hérite. C'est explicité. Est-ce qu'un homme a la possibilité de poser une condition? Est-ce qu'on a un droit de poser comme condition que je n'hériterai pas de ma femme? Ou non? La Torah, elle a dit, on ne peut pas poser comme condition. Elle n'a maintenant le machin de la Torah. Est-ce que la Torah a explicité que c'est comme ça que les choses doivent se dérouler? Dans la mesure où elle a voulu être ma femme, ça implique que ma femme, eh ben le mari hérite sa femme. Et on ne peut pas poser condition. Ça implique, c'est comme si je veux marier avec une femme, à condition que quand elle veut, elle va avoir quelqu'un d'autre. On peut pas. Si tu te maries, tu te maries. Tu peux ne pas te marier, mais t'as décidé de te marier. C'est un iskatrabilash, on dit, c'est un lot entier, il y a des tas de conditions qui dépendent de ça. C'est les conditions, c'est comme ça que ça se passe.
Tu te maries avec une femme, tu dois la nourrir, tu dois la... Tu ne peux pas poser comme condition que oui, que non. Alors il y a des halakhot. Est-ce que Bedavar chez Bemamon, Nokayam, ou Lokayam, Bedavar chez Lokashura. Imaginez, je veux recevoir la même chose, ça touche. Je veux être un nazir, mais à condition que de temps en temps, je peux me boire un petit verre de vin toutes les 3 semaines. Bah, t'es pas un nazir, t'as décidé de devenir un nazir. Tu es un nazir sans poser des conditions. C'est vaste, ça touche à toute la Torah, vous comprenez bien le problème. Est-ce qu'on peut changer les règles du jeu, en fait? C'est tout simplement. La Torah, elle a fixé des règles du jeu dans toutes sortes de situations, est-ce qu'on peut poser? Sur ça, on a Rabban Shimon Ben Gamliel qui nous dit, écoute, une des règles du jeu du mariage, c'est que le mari hérite sa femme. Vous pouvez pas poser une condition explicite qui va empêcher cet état fixé par la Torah. Ça, c'est la vie de Rabban Shimon Ben Gamliel. Nous, pour la halakha, on ne retient pas cette règle, mais on retient la halakha comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Attention, ça devient un petit peu bizarre. De manière générale, on retient que pour tout ce qui est Bedavar chez Bemamon Tnao Kayam, tout ce que la Torah elle, a imposé comme règle, que ça ne touche pas à des issurim de la Torah, mais ça touche uniquement sur de donner des droits aux gens, ce qu'on appelle Dabar chez Bemamon, on a le droit de renoncer. Pour rester sur le cas du mariage, je peux poser comme raison que je n'aurai pas à nourrir ou à vêtir ma femme. Parce que là, c'est uniquement des conditions d'argent, je peux faire ce que je veux, on peut décider. Obligation, je ne peux pas poser comme condition que j'entretiendrai pas de rapport. Parce que là, ça touche plus. C'est du tsar à gouffre, la femme qui a une souffrance, si jamais elle est isolée complètement. Et là, la Torah, elle ne donne pas la possibilité d'annuler ce droit. Tu as décidé de te marier, tu es obligé d'entretenir une certaine, comme on l'a appris plus haut, tous les combien, un strict minimum qu'un homme a le devoir, il a un engagement avec sa femme. Pour tout ce qui est rapport avec sa femme. Mais pour tout ce qui concerne la question d'argent, de finances, alors la Torah nous a dit, on retient comme halakha, qu'on peut changer les règles et dire que moi, je me marie avec toi, mais je ne te nourris pas, tu débrouilles toute seule. On a le droit de le faire. Donc, de ce fait, en théorie, on pouvait renoncer au droit d'hériter la femme. Donc, pas comme Rabban Shimon Ben Gamliel, apparemment. Mais malgré tout, la Gemara conclut que la halakha, elle est malgré tout retenue qu'on ne peut pas poser comme conclusion qu'on ne va pas hériter la femme, parce que Chachamim ont renforcé le droit du mari sur les biens de la femme, que... Les Chachamim, le Bet Din a la possibilité de fixer, la force de Chazal, de fixer pour toutes sortes de règles, comment se conduire avec tout ce qui touche à l'argent, que des fois ils ont voulu renforcer les pouvoirs et les droits des gens dans certaines situations, au-delà de toute règle. Et c'est ce qui se passe en fait en l'occurrence, que Chachamim ont renforcé le droit du mari sur les biens de sa femme, et de ce fait... C'est pour le bien, pour le bon équilibre du couple en général. Et, d'accord, on ne va pas trouver autre truc, ça va polluer sur ça. Mais quand le mari, là, il sent qu'il a... Ça amadoue dans certaines situations. On s'énerve un petit peu moins des fois. D'accord. Et de ce fait, Chachamim ont renforcé les droits de du mari qu'il ne peut pas se défaire, il ne peut pas renoncer, il peut pas renoncer à ce droit d'hériter sa femme, tout simplement. D'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.